Ok, je vous laisse vous installer, on va commencer. Le cours d'aujourd'hui va être un petit peu particulier. Vous avez vu qu'il y a deux invités de marque, musicaux. L'idée, c'est la suivante. Je vais vous parler de physique des ondes, hein, ça s'inscrit dans le cours de physique des ondes. Et je devrais vous montrer un certain nombre de choses, c'est-à-dire de manière vraiment expérimentale, avec les dispositifs expérimentaux qui sont là. En même temps que je vous en parle et qu'on fait des calculs qui sont associés. Du coup, il y a certaines choses que je vais effectivement vous montrer en direct. Il y a certaines choses que je vais reporter au TD. Je vais vous dire, bah, ça, vous allez le démontrer en TD. Et l'idée, c'est que je voudrais vraiment qu'on couvre un certain nombre de choses. Donc, pour dire les choses de manière plus concrète, il y a deux guitares qui sont ici et le cours va être axé sur ces guitares. Je voudrais qu'on utilise le prétexte de la guitare pour faire de la physique des ondes et vous compreniez, vous faire comprendre certaines choses sur la physique des ondes. Le cours va s'appeler, ça va être un chapitre en soi, autonome, qui va s'appeler les cordes vibrantes. Et alors, je vais commencer par vous présenter le dispositif expérimental qu'on va utiliser. Quand je dis dispositif expérimental, c'est parce qu'on va s'intéresser à la situation suivante. On va s'intéresser à une corde qui vibre, une corde qu'on met en mouvement, une corde qui est tendue entre deux points. En fait, c'est ce qu'on a déjà vu un petit peu la dernière fois. On n'avait pas tout à fait fini le calcul, donc du coup, ça va tenir compte de, ça va tenir lieu de fin de calcul de la dernière fois. L'idée, c'est la suivante. On a ici une corde de longueur L qui est tendue avec une certaine tension T. Elle est attachée à deux points fixes ici. On va s'intéresser à l'évolution temporelle de la position de chaque point de la corde. La corde va pouvoir éventuellement se déformer. Voilà, faire quelque chose comme ça. Là, je fais à peu près n'importe quoi. Et la grandeur qui nous intéresse ici, ce que je vais appeler l'amplitude de l'onde en x et en t, c'est l'écart de la corde par rapport à sa position d'équilibre. J'aurais pu amener effectivement une corde attachée sur deux étaux accrochés à la table et puis faire vibrer la corde et voir ce qui se passe. Alors effectivement, c'est peut-être plus intéressant de le faire avec ça. Donc une guitare, c'est un instrument qui est basé sur ce principe-là. Vous avez ici des cordes, il y en a six ici sur celle-là. Vous avez des cordes qui sont tendues par des dispositifs qui permettent d'enrouler la corde. Là, donc vous avez ici des dispositifs qui permettent d'enrouler la corde ici et donc de la tendre plus. Donc on peut régler la tension de la corde avec les boutons qui sont là. Et la longueur, elle est en revanche fixée. Elle est fixée sur ma guitare à 5, 65 cm. Je vais le noter à un endroit donné, à un endroit où on va avoir besoin de cette grandeur-là. Donc, dans toute la suite, c'est quand on aura besoin de faire des applications numériques et on va en faire, la longueur ici vaut 65 cm. On a une autre guitare ici. Et celle-là, c'est pas la mienne, j'ai pas le droit de la faire tomber. Ok, très bien. Donc, c'est une guitare, celle-ci électrique, donc c'était une guitare acoustique. Et je vais aussi mesurer. Et là, je suis embêté. Mais ok, non, mais j'ai tout prévu en fait. J'ai pas amené de main en plus, mais j'ai un stand pour elle. Parce que ça, c'est la mienne, elle a le droit d'être assise pendant le cours. Soixante-cinq centimètres. C'est probablement standard. Je me suis jamais posé la question, mais voilà. Non? Ok, c'est pas standard, me dit-on dans l'oreillette. Je retire cette remarque. Ok. Non, bah en fait, je vais garder celle-là et puis je vais la faire sonner puisque on a tout ce qu'il faut. Donc, quand je fais vibrer la corde, par exemple, la corde la plus en haut, là, vous voyez que vous entendez un son. Vous êtes content d'être venu. Guitare, on l'a fait jouer là. Vous avez différentes cordes ici qui ont une même longueur L et quand on les joue, vous avez des sons qui sonnent différemment. D'accord?
On peut commencer à se poser quelques questions en regardant cette guitare-là. Qu'est-ce qui fait que les cordes ici jouent des notes différentes? Et ça, on va y répondre une fois qu'on aura fait un tout petit peu de calcul ici, donc patientez. Donc, cette guitare, ça marche aussi. Si je fais ça, on entend un son, voilà. Donc, quand je joue cette corde-là, vous entendez aussi un son. Voilà. Un peu pourrie, ma guitare, hein. Désolé. Elle fait un bruit de casserole, mais bon, on s'en fout. Pourquoi est-ce que vous entendez ce bruit? Qu'est-ce qui fait que quand j'appuie ici, enfin quand je pince la corde et que je la lâche, vous entendez quelque chose, vous, dans vos oreilles? C'est un petit peu compliqué, en fait, quand on y pense comme question, parce que vous n'avez pas la corde vibre, on est bien d'accord, mais vous n'avez pas l'oreille collée sur la corde. Alors la caisse de résonance, alors ça veut dire que si je prends une guitare sans caisse de résonance, par exemple la guitare électrique qui est là-bas, et si je la joue sans amplifier, vous n'allez pas l'entendre? Moins? Ok, on l'entend quand même un petit peu? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, c'est ce que je voulais essayer de vous faire dire, mais vous n'êtes pas tombé dans le piège, entre guillemets. On pourrait se dire, chose suivante, on a une corde qui vibre comme ça, donc si elle vibre, elle met en mouvement l'air qui est autour d'elle, et du coup ça fait une onde sonore que vous entendez. Effectivement, il se trouve que ce n'est pas ça, et l'exemple que... Enfin, ce que vous venez de me dire, ça conforte exactement ça. Si je prends la guitare électrique et que je fais la même expérience sans amplifier, vous n'allez pas entendre grand-chose. Et en fait, si même vous faites l'expérience que j'ai mentionnée tout à l'heure avec deux étaux que vous tenez, entre lesquels vous tendez une corde, donc des étaux bien rigides, vous tendez une corde et vous faites bling sur la corde, vous n'allez vraiment, vraiment pas entendre grand-chose. La corde, elle a une capacité très faible en fait à mettre en mouvement l'air autour d'elle. Ce n'est pas ça qui se passe. Dans une guitare, c'est plus compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la corde en vibrant, la corde, elle est attachée ici, elle est attachée là. Ça, là, ça s'appelle le chevalet. C'est attaché, c'est collé à une plaque de bois. Et ce qui se passe, c'est que quand la corde vibre, elle met en vibration le chevalet, qui met en vibration la table. Et c'est toute la table qui vibre. Et du coup, effectivement, ça c'est comme une membrane de haut-parleur. Ça peut, effectivement, mettre l'air beaucoup plus facilement en mouvement qu'une toute petite corde qui fend l'air. D'accord? Du coup, ça a une conséquence, ça. Ça veut dire que si effectivement la corde ici, pour se faire entendre, doit mettre en mouvement le chevalet et puis la table, elle perd de l'énergie, forcément, elle en donne, elle fait vibrer la table, donc elle doit perdre de l'énergie. On l'entend. Vous entendez que le son est de plus en plus faible. D'accord? Si ce n'était pas le cas, ça serait toujours le même. Pour qu'une guitare sonne bien, une guitare acoustique ici, je reviendrai sur la guitare électrique après, pour qu'une guitare sonne bien. Est-ce qu'on veut, à votre avis, qu'il y ait un transfert facile d'énergie entre la corde et la table, ou un transfert difficile? Donc facile, d'après ce que je viens de dire. Mais, attention, si vous faites un transfert trop facile, c'est-à-dire si quand vous faites vibrer la corde ici, la table, elle se met tout de suite en vibration très fort, eh ben, vous allez avoir une corde qui va perdre très vite son énergie, du coup. Donc c'est-à-dire que la table, effectivement, vous avez une guitare qui va être puissante, mais du coup, la note, elle va décroître très rapidement. Et vous avez peut-être envie de jouer des notes qui font plus d'une demi-seconde à la guitare. Donc il y a un compromis à trouver déjà ici. Quand on concevoir une guitare, hein, le métier de luthier, ce n'est pas du tout évident. Il y a un compromis à trouver entre le fait que la corde doit facilement mettre en mouvement la table, mais en même temps, pas tant que ça. Voilà, parce qu'il faut que la note, elle dure. D'accord? Il y a une autre subtilité associée à ça aussi. Ça, on en parlera plus tard dans le cours. Quand vous mettez en vibration une surface comme ça, par exemple une surface carrée, on le verra avec une surface carrée, mais ça marche avec une autre surface aussi, d'autres formes. La surface, elle a ce qu'on appelle des fréquences de résonance. Elle vibre plus facilement à certaines fréquences qu'à d'autres. Ça, c'est un problème pour une guitare, parce que vous n'avez pas envie que si vous jouez un Do ou si vous jouez un Sol, en faisant le même mouvement avec le pouce, le Do il soit super fort parce que ça résonne avec la caisse, et le Sol, lui, soit tout faible. Vous avez envie que ça soit assez homogène sur les différentes notes. Donc il faut que la table, ici, elle ait aussi des fréquences de résonance qui soient assez peu marqué, ou en tout cas qui ne donne pas une coloration particulière au son. Et du coup, ça explique aussi pourquoi si vous allez démonter votre guitare, là il a peur, je ne vais pas le faire, si vous démontez votre guitare, vous verrez qu'en dessous, y a tout un tas de trucs, il y a des bouts de bois ici qui tiennent la table, elles ne sont pas juste là pour tenir la table, c'est aussi pour bloquer certaines résonances, pour modifier les fréquences de résonance de la table, et donc faire en sorte que le son soit agréable. Ok. Pour la guitare électrique maintenant, donc une guitare électrique c'est assez similaire, on a aussi une corde qui vibre, là cependant il n'y a pas de table, enfin le corps de la guitare vibre finalement assez peu dans une guitare électrique, c'est pas rigoureusement vrai mais voilà. Comment ça marche? Pourquoi vous entendez le son vous du coup?
Le micro, effectivement, vous avez ici et là, vous avez des petits dispositifs inductifs en fait, hein. Vous avez des bobines, vous avez des petits aimants là-dedans avec des bobines qui sont enroulées. Et le passage de la vibration de la corde métallique provoque un effet d'induction dans les micros. Et donc vous avez un courant électrique qui passe dans les micros. Ce courant électrique, ensuite, il est transmis. Voilà, le signal est transmis via le câble qui va à l'ampli. L'amplificateur amplifie ce signal et l'envoie sur un haut-parleur pour en faire une onde sonore. Vous voyez que il est assez complexe le cheminement ici du signal, hein. Vibration de la corde, transfert, on appelle ça une transduction électromagnétique, puis transfert jusqu'à l'ampli, amplification électronique, et ensuite transduction mécanique. Du coup, on veut que ça soit une onde mécanique. L'avantage, disons, de ça, après, c'est pas tout à fait le même, c'est pas le même son au niveau musical, donc ça peut être un avantage ou un inconvénient selon ses goûts, mais voilà. Mais en tout cas, un avantage certain, c'est que le couplage entre la corde et le reste de la guitare, il est beaucoup plus faible. La corde, elle perd beaucoup moins d'énergie en vibrant, parce qu'elle n'a pas besoin de faire vibrer tout le reste de la guitare. Et donc, du coup, on peut avoir des sons qui sont plus longs. Le son d'une guitare électrique, quand vous faites vibrer la corde, il dure beaucoup plus longtemps que sur une guitare acoustique, en général. Là, on pourrait ouvrir la porte de Pandore, j'allais dire. C'est une expression qui n'existe pas, mais on va le dire quand même. Non, ok. Là, à partir de là, on pourrait rajouter des choses sur le traitement du signal qui sont assez intéressantes, mais on le fera peut-être une autre fois. Mais là, si je me lance là-dedans, ça va aller trop loin. Bon. Donc voilà. Voilà, je vous ai présenté les guitares et la façon dont le son, la vibration de la corde était transmise au reste de, enfin, était transmise en son. Maintenant, je vais en venir vraiment à la façon dont ça vibre. Et ça va s'appeler deux modes de la corde. Et je vous rappelle qu'on a écrit l'équation des ondes la dernière fois. D2F sur D rond T2 est égal à, et je vais l'écrire dans le bon sens, 1 sur V carré, D2F sur DT2. Où V ici c'est la vitesse, et vous vous rappelez que pour une corde vibrante, on avait trouvé que V c'était racine de T sur mu. Où T c'est la tension de la corde, mu c'est la masse linéique de la corde, la masse par unité de longueur, et voilà. Et on a vu aussi la dernière fois que pour une onde monochromatique de pulsation oméga, on a vu que les solutions de ça s'écrivaient grand A exponentielle de i kx moins oméga t plus grand b exponentielle de moins de i facteur de moins kx plus moins oméga t. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait les fois précédentes pour une onde monochromatique, c'est-à-dire qu'il y a une pulsation oméga donnée. Et le problème auquel on s'intéresse ici, je vais le refaire un petit schéma ici très rapidement. Voilà, c'est une corde pour laquelle on a ici en x égale à 0 et ici en x égale à L, une corde qui est attachée, donc qui ne peut pas vibrer à ces endroits-là. Et donc on a deux conditions limites à satisfaire. F de x est égal à 0 et à tout instant t doit être égal à 0. Donc ça, si je reporte ça dans l'équation du dessus, ça me dit que 0 est égal à grand A. Je peux mettre l'exponentielle de moins i oméga t en facteur. Je vais un petit peu vite ici, hein. Et il reste exponentielle de. Bah, il reste juste ça, en fait. Moins plus b. Voilà. Est égal à 0. Et donc ça nous dit que ça, que A est égal à moins B. Très bien. Donc du coup, je vais réécrire l'amplitude ici. Ça me dit si A égale moins B, bah, je remplace B par moins A. Ça me dit une constante A fois exponentielle de moins I oméga T. Et attention, je vais ici faire le calcul un petit peu vite parce que je l'avais déjà amorcé la dernière fois. Donc ce qui reste ici, j'ai A exponentielle de IKX moins A exponentielle de moins IKX. Vous rappelez que exponentielle de IKX moins exponentielle de moins IKX, ça fait 2i fois le sinus de KX. Voilà. Donc voilà comment s'écrit en notation complexe l'amplitude de la corde quand on a pris en compte la première contrainte, la première condition limite. Maintenant, je prends la deuxième, c'est-à-dire le fait que en x égale L et à tout instant t, on doit avoir aussi une amplitude nulle. Et ça me dit du coup que je dois avoir tout ça est égal à 0 en x quand x est égal à L. Donc je dois avoir finalement que sinus de KL doit être égal à 0. Donc ça me donne une condition, ça, sur les K. Possible, L étant fixée, hein, 65 cm, c'est marqué là-bas, ça me donne une condition sur les K et donc sur les longueurs d'onde qui peuvent effectivement se propager ou faire vibrer la corde.
Du coup, cette condition-là, sinus KL est égal à 0, qu'est-ce que ça nous dit sur KL? Ouais, Kpi, ouais. Alors, je vais noter n ici le nombre, mais c'est n fois pi. Hein. Tous les multiples de pi ont un sinus qui est nul. Donc ça vous dit ça. Si j'écris k, vous vous rappelez k, on l'avait écrit 2pi sur lambda. N égale à npi, les pi se simplifient et il reste que lambda, c'est égal à 2l sur n. Et je vais le noter ici, ça, lambda petit n. Donc on a une condition sur lambda. Voilà. L'onde ne peut se propager que si ces conditions sont vérifiées. Donc que si lambda je vais dire est un multiple, non. Que si n lambda voilà, est égal à 2l. Je vais en faire un petit dessin de ça. Ce que je vais tracer ici, ce sont les fonctions qu'on obtient. Ici, les fonctions f de x et de t. Et je vais les appeler avec un petit n pour dire qu'elles correspondent à un n ici différent. Celle pour n égale 1, c'est celle pour laquelle lambda est égal à 2l sur n, c'est-à-dire sur 1, ben voilà. Et donc ça vous dit ça que k qui est égal à 2pi sur lambda, ben k c'est pi sur l. Et donc ça vous dit ça que f1 de x et de t est égal à, je reprends l'expression qui celle-ci par exemple, voilà. Et donc tout ça va être une grande constante a, et ici on se retrouve avec un cosinus de oméga t. Où oméga, donc le oméga 1 ici du coup, est donné par, je vous rappelle que oméga c'est k fois v, donc c'est 2pi sur lambda 1 fois v, et comme lambda, je l'ai écrit là-haut, c'est 2l, ça c'est pi sur l fois v. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la solution correspondant à n égale 1, elle a une longueur d'onde bien définie, elle a une forme d'onde bien définie, elle a une pulsation bien définie. Et du coup, si je vais aussi tracer, enfin écrire, pardon, la fréquence correspondante. Vous vous rappelez la fréquence, je les avais appelées nu dans tout ce qui précède, la relation entre la fréquence et la pulsation, il y a un facteur de pi. Hein. Donc nu, c'est oméga sur 2 pi, et donc nu 1, c'est 1 sur 2l fois v. Et v, je vais le remplacer par racine de t sur mu. Comme ça, je vais avoir au tableau tout ce dont j'ai besoin pour avancer pour avancer. Je vais le tracer ça. Ce que je vais tracer ici, ça va être sur un axe. En fonction de x, je vais tracer la forme ici donnée par ça en fonction de x. Ben, c'est parti, c'est un sinus de période. Ben, voilà, c'est la fonction qui est ici. Ça s'annule en x égale 0 ou en x égale l. Pas étonnant, on a choisi ça pour ça. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'au cours du temps, ça oscille dans cette enveloppe-là. La valeur maximale, elle est là, la valeur minimale, elle est là. Et vous avez quelque chose qui, voilà, à tous les instants intermédiaires, prend ces formes-là et oscille comme ça sur l'ensemble de la longueur de la corde. On donne des noms à ces points-là. Là. Ça s'appelle un nœud. L'endroit où la corde ne bouge pas, ça s'appelle un nœud. Et l'endroit où la corde bouge le plus, ça, vous savez comment ça s'appelle? Un ventre, ok. Effectivement, c'est le cas. La fonction suivante, celle pour n égale 2, je ne vais pas tout réécrire ici, je vais juste pour l'instant m'intéresser à la distribution, à la forme en fait spatiale de l'onde. Bah, vous remplacez là-dedans le k par 2pi sur lambda 2, et en fait vous allez vous trouver avec un coefficient 2 ici, pour f2. Donc pour n égale 2, vous allez avoir f2 de x et de t est égal à un autre coefficient que j'ai noté a', sinus de 2pi x sur l, et fois le cosinus de oméga 2 t. Donc à cause du facteur 2 qui est ici, vous avez une onde qui bat deux fois plus vite. Donc elle a un nœud ici. Et donc c'est ça que je vais essayer de tracer avec un peu de soin. Et normalement, vous avez ces fonctions maintenant sur un ordi quelque part. Il est là, elle est là, ouais, très bien. N égale 3, je vais la mettre en dessous ici. Donc elle a ici, elle a un nœud là et puis un nœud là. Voilà, etc. On peut comme ça, ça c'est n égale 1, n égale 2 et n égale 3. Quand on fait vibrer, effectivement, la corde d'une guitare,
On va voir pourquoi tout à l'heure, mais il se trouve que ce qu'on entend le plus, c'est cette vibration-là. Et ce que nous dit finalement, ce que nous disent les résultats qui est ici, on va le vérifier expérimentalement, c'est que si je prends une guitare, la note qui est jouée par une corde de longueur 65 cm tendue dépend de la tension de la corde, dépend de la masse linéique de la corde ici, et dépend de la longueur L, mais ça, on ne va pas trop pouvoir le modifier. Expérience. Je prends la guitare, je vais jouer la corde la plus grave ici. Je vais maintenant changer la tension de la corde en enroulant ici la corde au bout du dispositif qui est ici. Donc la longueur de la corde reste constante. Hein. Ici, la corde s'appuie ici et s'appuie là. Donc elle est en appui sur deux points qui sont séparés de la longueur 65 cm. Donc la longueur, elle, est constante. La masse linéique de la corde est constante aussi. Hein. Ça, je ne change pas la qualité physique de la corde en l'attendant. Et écoutez ce qui se passe quand j'augmente la tension. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'augmente la tension, on a ici T qui augmente, donc la fréquence qui augmente. Je vais en dire deux mots tout à l'heure, mais je pense que vous savez déjà que quand la fréquence augmente, ça devient plus aigu. Ok, c'est parti. Alors là, vous n'entendez rien. Ah oui, mais toi, je ne peux pas le faire avec la tienne. Vous prenez la tige qui pend et vous tirez dessus. Ok, je vais prendre la tige qui pend et je vais tirer dessus. Ok, donc... Ouais, elle est basse, ça fait rocker là. Ouais, je vais pencher. Mal. Les aléas du direct. Donc du coup, ça s'appelle un vibrato. Ça sert justement à tendre les cordes. Et je vais le... Alors ça marche comment? C'est dans ce sens-là? On s'en fout. C'est bon. Je reprends. Donc je joue la corde grave. Et je vais la tendre. Ça tire dessus et vous entendez que ça devient plus aigu. Ok? Très bien. Moi, je pourrais y passer des heures. Ok. Donc ça, c'est l'influence de T, de la tension qui est ici. Donc effectivement, on vérifie expérimentalement que quand on augmente T, la hauteur du son augmente. Ensuite, autre chose, vous voyez que vous avez plusieurs cordes sur une guitare qui donnent toutes des notes différentes, pourtant elles ont la même longueur, et en plus, il se trouve qu'elles ont la même tension. Ça, on ne peut pas le voir ici, hein, mais c'est effectivement le cas. La raison pour laquelle c'est la même tension, c'est qu'on veut que sur une guitare, ça tire autant, en fait, ici, autant là que là, que là, que là, parce que si ce n'était pas le cas, si ça tirait plus en bas qu'en haut, ça déformerait la guitare, et elle finirait par s'abîmer, en fait. Donc pour que la guitare reste, ait des contraintes qui ne la déforment pas, on s'arrange pour que la tension des cordes soit la même sur toutes les cordes. Donc le T est le même ici, la longueur est la même, donc le seul paramètre sur lequel on peut jouer pour faire des notes différentes, c'est le mu ici, c'est la masse linéique. C'est pour ça que sur les cordes graves, vous avez une masse linéique qui est importante. En fait, ce qu'on fait sur une corde de ce type-là, c'est qu'on a une corde, on a un fil en métal et on enroule dessus un autre fil. Donc vous ne le voyez pas ici, mais si vous allez voir une guitare... Une corde de guitare métallique de près, même sur les guitares nylon pour les cordes graves, c'est le cas. Vous allez voir qu'il y a en fait un fil qui est enroulé sur un autre. Tout ça pour augmenter la masse linéique. Du coup, quand j'augmente mu, je diminue la fréquence et donc ça fait une corde qui sonne plus grave. Donc plus la corde ici est épaisse, plus elle sonne grave. C'est le cas ici. Ça, c'est une corde grave, elle est épaisse. Et c'est les aigus ici, elles sont plus fines. Ok ? Alors là, je suis en train de vous parler de notes en même temps que de fréquences et tout ça. Et je vais revenir dans quelques minutes sur le rapport entre ces notions, parce qu'il y a quand même quelques subtilités qui me semblent intéressantes à comprendre. Je reviens maintenant à mes modes ici. Donc je suis revenu sur cette expression-là. Maintenant, je vais m'intéresser au deuxième mode de vibration qui est ici. Le mode n égale 2, j'ai mis un oméga 2 ici, mais je n'ai pas encore dit ce qui valait. Vous vérifierez facilement en reprenant exactement le même calcul qui est ici, en remplaçant lambda 1 par lambda 2. Lambda 2 étant deux fois plus petit que lambda 1, vous voyez que oméga 2 est deux fois plus grand que lambda 1. Donc la fréquence temporelle à laquelle vibre ce mode-là est deux fois plus grande que celle-là. Et en fait, on peut montrer exactement de la même manière que comme les longueurs d'onde ici sont en 1/2, 1/3, 1/4, etc., que les fréquences associées, ici le oméga 2 c'est 2 fois oméga 1, le oméga 3 c'est 3 fois oméga 1, etc. En fait, toutes les fréquences temporelles sont des multiples d'une certaine fréquence oméga 1, qui est celle-ci.
Et on leur donne des noms. Cette fréquence-là, là, c'est la fréquence la plus basse à laquelle vibre la corde, ça s'appelle, vous savez, le fondamental. Et les autres, ça s'appelle des harmoniques. Ça, c'est la première harmonique, la deuxième harmonique, etc. Et alors, du coup, je vais faire un petit schéma qui va m'être très utile ici dans la suite. Et je vais le faire en haut, là. Ça, je l'efface. Je voudrais vraiment avoir ça sous la main. Je vais mettre ici, en fonction de la fréquence... Voilà, un axe qui contient les fréquences. Je vais mettre ici ce qu'on appelle le fondamental F0. Ah pardon, F1, du coup, je l'ai appelé. Je vais plutôt mettre les fréquences ici que les pulsations, mais il y a juste un facteur de pi, hein, mais c'est parce que vous avez peut-être plus l'habitude, si je vous parle du La 440, vous savez que c'est 440 Hz, je pense que la pulsation, vous ne la connaissez pas par cœur de ça. Donc on raisonne plus facilement en fréquence qu'en pulsation quand on parle de notes, et je vais vous parler de notes ici. Donc ça, c'est le fondamental. On a ici 2F1, 2F2, 3F1. 4F1, 5, et je vais arrêter de mettre des F1, je vais juste mettre les multiples. Et sur cet axe-là, ça c'est le fondamental, et ça c'est les différentes harmoniques. Donc une corde qu'on tend et qu'on fait vibrer peut vibrer sur chacun de ces modes-là. Ce qui se passe en général, ça on le verra à la fin du cours, c'est que quand vous pincez une corde, en fait vous excitez tous ces modes-là. Ce que vous obtenez à la fin, c'est une superposition de tous ces modes-là. Vous faites vibrer à la fois comme ça, en fait la forme de la corde, elle est donnée par une superposition de ces formes-là. Et on va voir tout à l'heure ce que ça fait, en fait. On va même le calculer explicitement. Remarque très importante. Le fait que les fréquences ici soient des multiples d'une fréquence de base, ça vient de deux choses dans le calcul. Ça vient du fait que les longueurs d'onde sont données par lambda n est égal à une certaine constante lambda 1 divisé par n, et d'autre part que les fréquences sont inversement proportionnelles au lambda. Donc inversement proportionnelles à ça, c'est-à-dire que les fréquences sont proportionnelles à n. Or, le fait que les longueurs d'onde soient proportionnelles aux fréquences, ça, c'est pas quelque chose de complètement général. C'est-à-dire que, je vais le reformuler autrement, quand on a étudié au tout début du cours les ondes, on est arrivé à un moment à une relation de dispersion qui était oméga égale k fois v. Le k ici, c'est 2π sur lambda. Et ça vous dit que du coup, la fréquence, elle est donnée par, si je divise tout par 2π, par v sur lambda. Ça, on l'a obtenu quand on avait une équation d'onde qui était linéaire. C'est celle qu'on a écrite pendant tout le cours. Quand on a établi cette équation pour la corde vibrante, vous vous rappelez qu'on a fait certaines hypothèses. On a fait l'hypothèse que la corde ne s'allongeait pas en même temps qu'elle se déformait, que les vibrations étaient purement transverses, donc il n'y avait pas de vibrations longitudinales le long de la corde, etc. Ça, ce sont des approximations. Quand on étudie vraiment une corde et qu'on veut le faire de manière extrêmement précise, il faut aller au-delà de ces approximations. C'est compliqué, c'est trop compliqué pour ce qu'on veut faire dans ce cours-là, mais on pourrait le faire, on peut le faire effectivement. Étudier les vibrations d'une corde qui vérifie une équation d'onde plus complexe que celle qu'on a vue là, et qui tient en compte notamment la raideur de la corde, tout un tas d'effets que j'ai négligés. L'effet que ça va avoir, ça, on va encore trouver, dans le cas d'une équation d'onde plus complexe, que les longueurs d'onde vérifient cette relation-là. Le fait que les longueurs d'onde elles tiennent par paquet de 2, de 3 ou de 4 entre les deux bouts de la corde tendue, ça va rester vrai. C'est juste une condition limite sur les fonctions qu'on a obtenues. En revanche, la relation ici entre la fréquence et la longueur d'onde va être plus complexe. Et certes, si les lambdas sont encore distribués comme des 1 sur n dans le cas d'une corde qui a une certaine raideur, elles, les fréquences, du coup, ne seront pas reliées à n, simplement comme étant proportionnelles à n, je le redis. Les lambdas ici, dans le cas d'une corde pour laquelle on prend en compte la raideur, par exemple, seront encore en 1 sur n, mais là, cette relation-là ne sera plus valable, vous aurez quelque chose de plus compliqué, donc f ne sera plus proportionnel à n. Du coup, les harmoniques d'une corde réelle ne sont pas proportionnelles à la fréquence fondamentale. Il peut y avoir un petit décalage. On va voir l'importance de ça dans quelques instants. Là. Mais n'imaginez pas que nécessairement, pour tout système, voilà, les harmoniques sont des multiples de la fréquence fondamentale. Ça, c'est le cas dans la corde parfaite avec les approximations qu'on a faites au début du cours. Je voudrais maintenant vous parler de quelque chose que, à moins que vous fassiez de la musique et que vous en ayez fait dans des conditions très particulières, genre le conservatoire, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, des choses que vous ne connaissez pas et je pense que c'est dommage, donc je vais vous en parler. Ça va prendre 5 minutes. Je vais vous parler un tout petit peu de théorie musicale, de rapport entre les notes et les fréquences.
Alors, théorie musicale, c'est un grand mot, hein. Je ne veux pas vous faire la théorie musicale, ça peut aller très très loin, ça peut être très complexe, mais voilà. L'idée de base de la théorie musicale, c'est que certaines fréquences sont associées à certaines notes. Jusque-là, tout va bien. Là où ça se corse, c'est comment on affecte une note à une fréquence. Qu'est-ce que, si je vous dis qu'on peut, alors ça peut être une affaire de convention, mais quelle est la convention qui conduit à un résultat satisfaisant pour tout le monde, en particulier pour les musiciens ou les gens qui écoutent de la musique. Je vais considérer que, je vais ici pour tout ce qui va suivre, je vais considérer que la fréquence fondamentale ici correspond à ce qu'on va appeler un do. Voilà, ça c'est ma donnée de départ. Je définis quelque chose que j'appelle le do, voilà, et ça va être la fréquence F1 ici. Je donne un nom à cette note, je l'appelle le do. Le premier, le fait le plus important en fait, de la physiologie de la musique, parce qu'il va s'agir de physiologie ici, hein, donner un nom de note à des fréquences, ça va être relié à comment est-ce qu'on les entend, c'est que la fréquence qui est ici 2F1, la première harmonique, la fréquence double, l'oreille l'entend d'une façon extrêmement similaire à celle-ci. Si vous jouez une fréquence double, vous entendez quelque chose qui ressemble beaucoup, ça s'appelle l'octave. 2F1, ça s'appelle l'octave. Je vais vous jouer une octave. Alors, je ne vais pas le faire de la manière qui est ici, en jouant l'harmonique, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est un peu complexe à analyser. Ok, ça c'est un do. Ok, je vais jouer le do aigu, par exemple celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord que ça et ça, ça sonne quand même très similaire. Plus similaire que ça et ça. Là, ça fait mal aux oreilles. Hein. Okay. Donc là, ça, c'est l'octave. Ce sont des notes qui vont bien ensemble, on leur donne le même nom. Okay. La troisième harmonique, celle-là. Il se trouve que celle-là, elle sonne aussi extrêmement bien à l'oreille. Ce n'est pas la même note que la précédente, je vais vous la jouer aussi tout à l'heure, mais elle sonne vraiment très bien. Ça s'appelle, on lui donne un nom aussi, ça s'appelle la quinte. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc l'octave ici, c'était un do, et la quinte, je lui donne tout de suite son nom. Voilà, là vous pouvez pas comprendre pourquoi on lui donne ce nom-là, mais voilà, c'est le nom qu'on lui donne. C'est un sol. Ça là, cette note-là, c'est effectivement quelque chose qui, on dit que c'est consonant, ça consonne assez bien, enfin très bien même avec le fondamental. Donc c'est parti, un sol, lequel je vais vous faire. Celui-là. Do, sol, pas du tout, sol. Bien, hein. Même quand on a peu l'habitude de la musique, il y a des gens qui vont vous dire que c'est la même note. Non, personne parmi vous ? Ça peut, il y en a qui pourraient dire que ça, c'est la même chose que ça, en plus aigu. C'est pas le cas, hein, mais voilà, en fait le plus aigu c'est ça. Mais du coup, si je joue ces deux notes ensemble, le do et le sol, ça donne quelque chose comme ça. Ensemble que ça. Okay. Donc ces notes, elles vont ensemble, elles consonnent en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on lui donne un nom particulier. Et là où ça devient intéressant, c'est que j'ai dit qu'en doublant la note, on obtenait une octave. Bon, bah, ça veut dire que l'harmonique suivante ici, 4F1, c'est le double de celle-là, c'est encore l'octave, c'est un do encore plus aigu. Ok. Et ça veut dire aussi, inversement, que si je divise la fréquence par 2, j'obtiens la même note plus grave. En particulier celle-là. Le sol qui est ici, là. Si je divise sa fréquence par 2, c'est-à-dire si je prends 3 demi de F1, ça donne aussi donc ça donne la même note que ça, mais en plus grave, ça donne un sol. Ce qui veut dire que là-haut, on a inventé une nouvelle note ici qui s'appelle le sol, et ça va être quelque part ici. Ici, 3 demi de F1, ça c'est un sol. Je vais commencer à mettre les noms en dessous. Ça c'est un do, ça c'est un sol, ça c'est un do,
Ça, c'est un sol. Ça, c'est un dos. Ça, bon, on peut refaire le même jeu, effectivement, continuer. Ça, il se trouve que ça sonne aussi assez bien. Ça s'appelle la tierce. Vous savez comment c'est, quelle note c'est, du coup, il y en a peut-être qui savent. C'est un mi, en fait. Ça, ça serait de nouveau un sol. Ça, ça, c'est le 6. 6, ici, c'est le double de 3. Hein. Donc, c'est forcément la même note. Voilà. Le 7 qui est ici, c'est un si bémol. Ça commence à être un peu tordu. Et ça, c'est de nouveau l'octave. Si bémol et do. Donc là, je n'ai pas expliqué pourquoi, mais c'est, je le referai, je reviendrai sur ça dans 30 secondes. Voilà. Le rapport 3,5 ici, ça s'appelle une quinte juste. Exactement. Je veux parler de Kaamelott après. Mais si vous pouvez regarder l'épisode qui s'appelle La quinte juste, je crois que c'est le nom de l'épisode Kaamelott, vous reconnaîtrez des choses de ça dites de manière assez rigolote. Bon. À partir de là, donc savoir que le rapport 3,5 entre deux fréquences, ça fait quelque chose d'harmonieux, ça a conduit très tôt dans l'histoire à la manière suivante de définir de différentes notes. Et je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la gamme pythagoricienne. Je ne vais pas aller très loin dans ça, mais c'est la conclusion de ce que je vais vous dire là qui m'intéresse en fait. La gamme pythagoricienne, elle est définie de la manière suivante. Pythagore, ou plutôt ses disciples, se sont dit, tiens, une fréquence, enfin eux c'était une longueur de corde, hein, mais peu importe, moi je vais parler en termes de fréquence. Un rapport de fréquence 3,5, ça donne un rapport joli entre les deux notes. Et bah, du coup, si je prends le rapport 3,5 de la note d'avant, si je prends le 3,5 de ça, c'est-à-dire si je prends le rapport 9 quarts, en tout, eh ben ça va donner aussi quelque chose de juste. Enfin, ça va aussi donner quelque chose de joli. Le rapport 9 quarts joue probablement un rôle privilégié. La gamme, ce qu'on appelle la gamme pythagoricienne, elle est basée là-dessus. On a vu précédemment que l'intervalle 3,5 entre deux fréquences joue un rôle très particulier. Si je jouais une fréquence et puis la fréquence 3,5, eh ben on avait quelque chose qui allait bien ensemble. C'est la quinte juste. Les pythagoriciens se sont dit, bah, si je prends la quinte de la quinte, ça va encore faire quelque chose qui, a priori, va bien ensemble, deux notes qui vont bien ensemble. La quinte de la quinte, ça veut dire que je prends 3,5 au carré et je me retrouve avec, par rapport à la fréquence de base, un facteur 9 quarts. Donc, si on en croit les pythagoriciens, la fréquence 9 quarts de F doit aussi être quelque chose qui va bien avec la fréquence F. Et alors, je vais tracer ici sur un diagramme les différentes fréquences. Je vais mettre ici la fréquence du fondamental que j'avais noté F1 tout à l'heure, l'octave qui est 2F. Alors, je vais plutôt la noter F ici, la fréquence du fondamental, 2F l'octave. On a vu donc précédemment que 3,5 ici de F, c'était la quinte juste, ça va bien avec F. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que 9 quarts, donc quelque chose qui est un peu au-dessus de 2, quelque chose qui est par ici, va aussi bien aller avec ces notes-là. Si c'est le cas, la moitié de ça, c'est-à-dire 9 huitièmes, qui cette fois-ci est un nombre entre 1 et 2, donc il va se retrouver effectivement dans cet intervalle-là, va être aussi quelque chose qui va bien avec ces notes-là. Et c'est quelque chose que, si on voulait mettre sur le diagramme ici, irait ici. Ici, on a 9 huitièmes de F. Et les pythagoriciens ont joué ce jeu-là avec toutes les puissances successives de 3,5. On prend la quinte encore de cette note-là, donc on met encore cette fois-ci 3,5 à une puissance supérieure. On prend 3,5 puissance 3. On ramène ce nombre-là en le divisant par une puissance de 2 adéquate. On ramène ce nombre-là entre 1 et 2, entre cette note-là et puis l'octave. Ça va aller quelque part sur ce diagramme-là. Et le truc un peu miraculeux, c'est que quand on fait ça 12 fois, 3,5 à la puissance 12, on se retrouve avec quelque chose qui est presque une octave, presque la septième octave, c'est-à-dire ce nombre-là. Si on le calcule, ça fait 129,75. Et ça, c'est à peu près égal, presque égal, à 2 puissance 7, c'est-à-dire 128. Ce n'est pas exactement égal, mais presque. Donc, en itérant cette procédure 12 fois, on retombe sur, finalement, la même note que de départ, 7 octaves plus haut. Donc, si c'est un do au départ, on retrouve à peu près un do. Et donc, en remultipliant ensuite de nouveau cette fréquence-là par 3,5, on va retomber sur celle qu'on avait déjà eue auparavant. Donc, en quelque sorte, cette procédure se reboucle sur elle-même. La note qu'on obtient au bout de 12 itérations, c'est de nouveau la première note. Et on obtient comme ça 12 notes différentes. C'est la manière qu'ont choisi les pythagoriciens de séparer l'octave en 12. Chacune des puissances de 3,5 obtenues comme ça, on les ramène dans l'intervalle entre 1 et 2.
Et on obtient comme ça 12 notes. Alors le calcul, il peut être un petit peu fastidieux. Je vous le montre ici en surimpression sur la vidéo là. Donc ce que vous voyez maintenant, c'est les successions des puissances de 3,5, puis ces puissances qui ont été ramenées dans l'intervalle entre 1 et 2 en divisant par la puissance de 2 qui va bien. J'ai indiqué aussi le nom des notes qu'on associe à chacune des fréquences qu'on obtient de cette manière-là. Donc les notes qui sont indiquées ici et qui sont caractérisées par les intervalles de fréquences que vous voyez ici, ça s'appelle la gamme pythagoricienne. On peut remarquer une propriété vraiment intéressante. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve avec 12 notes qui sont Do, Do dièse, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne sais pas pourquoi c'est là, je les ai mis en dessous, mais voilà. Alors sur ce diagramme-là, le Do correspond à la fondamentale. On peut aller voir quelle est la première, la plus basse des fréquences qu'on obtient dans la succession qui est ici. Bah, c'est celle qui correspond à 3 demi puissance 7 ramenée dans cette gamme-là. Donc ça, c'était le septième des calculs qui est ici, c'est le Do dièse. Ici, le Ré, c'était le deuxième, en fait, hein, celui qui est ici. Ça correspond au Ré. Et on voit, donc, on a par exemple ici, du coup, un intervalle 9 huitième. Entre le Do et le Ré ici. Ça s'appelle un ton pythagoricien. On remarque aussi qu'entre le Do et le Do dièse, cette fois-ci, l'intervalle, alors je ne le connais pas par cœur, mais vous l'avez quasiment au tableau, il est donné par 2187 sur 2048. Et que l'intervalle entre le Do dièse et le Ré est donné, lui, par 256 sur 243. Ces deux nombres-là ne sont pas très différents numériquement les uns des autres. Ça vaut numériquement 1,0535. Tandis que ça vaut 1,0679. Alors, ils ne sont pas exactement égaux, mais voilà. Ces deux quantités-là, ça s'appelle des demi-tons. Ces deux demi-tons sont différents et on leur donne des noms différents aussi. Alors là, ça devient un peu de l'érudition musicale, mais autant donner les noms. Hein. Ça s'appelle l'apotome, ce demi-ton-là, et celui-là, ça s'appelle le lima. Alors plus précisément, hein, c'est ça qui vaut l'apotome, pas l'approximation qui est ici, vraiment cette fraction-là, et celle-là qui s'appelle le lima. Donc il y a un apotome entre Do et Do dièse, un lima entre Do dièse et Ré. Et on s'aperçoit, si on continue à faire le rapport entre la fréquence d'une note et puis celle de la note précédente, eh ben on retrouve en fait que des apotomes et des limas. C'est ces deux demi-tons qui permettent vraiment de reconstituer la gamme entière. Et donc on a ici entre le Do et le Do dièse, on a ce que j'ai noté apo. Ici, on a un lima. Entre le Ré et le Ré dièse, on a de nouveau un apotome. Entre le Ré dièse et le Mi, on a de nouveau un lima. Entre le Mi et le Fa, on a un lima. Puis un apotome, voilà, on a une alternance comme ça, d'apotome et de lima. Et entre le si et le do, de nouveau un lima. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on fait une succession d'apotomes et de lima, donc deux demi-tons de ce type-là successifs, donc en fait je multiplie les deux rapports qui sont ici entre eux, le rapport ici ça donne 9 huitièmes, c'est-à-dire ça fait vraiment un ton. Donc un ton pythagoricien, celui que j'ai défini tout à l'heure comme le rapport 9 huitième, c'est vraiment ce qu'on obtient en ajoutant un lima et un apotome. Ici, quand on dit ajouter, hein, ça veut dire multiplier les fréquences, en fait. Hein, puisque les fréquences sont définies par, les notes sont définies par des rapports multiplicatifs de fréquences. Bon. Alors si vous voulez des détails sur les calculs de tout ça, je vous invite vraiment à regarder la page Wikipédia qui s'appelle gamme pythagoricienne, où l'ensemble des calculs ici sont détaillés de manière... De manière claire, hein, c'est vraiment plus intéressant. Voilà. Et du coup, ce qu'on appelle des tons, il y a un ton entre là et là, je vais mettre en rouge, tout ça c'est un ton, tout ça c'est un ton aussi, tout ça c'est un ton, tout ça c'est un ton, tout ça c'est un ton. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un ton entre le Do et le Ré, un entre le Ré et le Mi, il y a un demi-ton de type lima ici entre le Mi et le Fa, il y a un...
un ton entre le fa et le sol, entre le sol et le la, entre le la et le si, et de nouveau un lima entre sol, entre si et do. Voilà. Alors ça semble un peu compliqué, ça semble ça c'est un peu peut-être un peu bizarre ici. Vous n'avez pas probablement pas l'habitude de distinguer, pour ceux qui font de la musique, de distinguer ces différentes sortes de demi-tons. Quand on a un piano notamment, le demi-ton c'est un demi-ton quoi. C'est-à-dire que les notes qui sont ici, do ré mi fa sol la si do, c'est les blanches. Sur un piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si, et puis do, voilà. Et puis on met des noirs ici pour faire les demi-tons. Et il n'y a rien qui vous dit qu'entre ça et ça, il y a un demi-ton qui est différent entre ça et ça. Je reviendrai tout à l'heure effectivement sur ça. Ça, c'est dû au fait que la gamme qu'on utilise dans les pianos, en général, n'est pas la gamme pythagoricienne. Alors cette succession-là, je pouvais vous la faire écouter. Je l'ai enregistrée... Avec le logiciel Audacity, on peut engendrer des sons comme ça qui ont une fréquence donnée. Et donc, je vous ai enregistré la séquence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et le Do. Avec comme Do ici, ce que j'ai mis attention, c'est vraiment le 3 demi puissance 12 ici et non pas le 2 puissance 7. Et donc, vous pouvez écouter cette succession. Là, je vous la passe maintenant. Donc ça ressemble effectivement au do ré mi fa sol la si do qu'on chantonne d'habitude quand on chantonne la gamme. Bon. Cette gamme pythagoricienne, cette manière pythagoricienne de découper la gamme en 12, elle a un gros inconvénient. Et cet inconvénient, c'est le fait que les demi-tons ne sont pas tous les mêmes. Et ça se manifeste quand, par exemple, on veut transposer un morceau. Imaginez que vous ayez un morceau de musique qui soit, par exemple, do dièse, ré dièse, et mi, voilà, juste la succession des demi-tons. Imaginez que vous trouvez ça joli si vous voulez faire une chanson avec ça, et puis que vous apercevez que bah, je sais pas, votre voix elle est trop grave et vous n'arrivez pas à chanter un do grave qui permet de démarrer cette musique au do. Et vous dites, tiens, bah, je vais faire pareil, mais en commençant tout avec le ré. Donc vous transposez tout d'une note vers le haut, vous vous retrouvez avec ici un ré, une note, c'est-à-dire un ton, hein, pardon, je vais tout transposer d'un ton. Donc le au-dessus du do dièse, c'est le ré dièse. Au-dessus du ré, c'est le mi. Au-dessus du ré dièse, c'est le fa. Et puis, un ton au-dessus du mi, c'est le fa dièse. Si vous jouez ça, si vous jouez ces notes-là, vous apercevez que les intervalles, la musique, en fait, n'est pas tout à fait la même. Ici, vous aviez une succession de demi-tons apotome, un lima. Apotome, un lima. Et dans la version transposée ici, entre le ré et le ré dièse, vous avez certes apotome. Ici, entre le ré dièse et le mi, vous avez lima. Donc ça va bien. Vous avez entre le mi et le fa un lima de nouveau, et ici un apotome. Donc vous voyez que là où vous aviez une succession apotome-lima de demi-tons de ce type-là, vous avez maintenant une succession différente. Donc certes, pour quelqu'un qui a une oreille normale, en fait, on ne va pas spécialement entendre cette différence-là, mais en toute rigueur, il y a une différence, ce n'est pas exactement la même mélodie entre ça et ça. Donc la transposition, elle est très difficile à faire. Si on veut jouer exactement cette succession ici, tonale, un ton au-dessus, eh ben, il faut utiliser d'autres notes que celles qui sont définies ici. Donc voilà, c'est vraiment une complication de la gamme pythagoricienne. C'est en partie pour ça que d'autres méthodes, d'autres gammes ont été proposées, d'autres manières de séparer l'intervalle entre un do et le do suivant, par exemple, en 12 notes. Alors il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, ça c'est vraiment un sujet de discussion interminable, historiquement et même actuellement, de comment faire des notes qui sonnent justes, et en même temps qu'ils soient faciles à transposer. Je vais vous exposer maintenant la solution, disons, la plus facile du point de vue mathématique et la plus pratique, vraiment. Celle qui permet de faire de la musique, celle qui permet de concevoir des instruments, qui permettent de jouer un ensemble de morceaux très vaste, voilà, qui offre la plus grande flexibilité, on va dire, au niveau de ce qu'on peut jouer avec. Ça s'appelle la gamme tempérée. La gamme tempérée, c'est, bon les gars, on se détend, hein, y a un intervalle d'un facteur 2 à séparer en 12.
on veut que les rapports soient constants, en gros, d'une note à la suivante, et ben on va tout séparer de 2 à la puissance. On va dire que 1 demi-ton, c'est un facteur 2 à la puissance 1 douzième. Comme ça, quand je mets ça à la puissance 12, c'est-à-dire que je fais 12 demi-tons d'affilée, je me retrouve à la fin pile poil avec un ton complet. Enfin, pardon, avec une octave complète. Et du coup, un ton, c'est le carré de ça, et c'est 2 à la puissance 1 sixième. Est-ce que vous pouvez me dire combien valent ces nombres, s'il vous plaît? Nous avons un calculateur prodige. Qui triche parce qu'il est une machine? Ah, tu peux me donner les chiffres après la virgule? 1,05 9,4, d'accord, très bien, merci. 1,12 probablement. D'accord, je vais m'arrêter là, ok. Donc à peu près égal à ça. Et donc, si vous voulez les fréquences des différentes notes dans cette gamme-là, bah, vous prenez le Do ici, vous le multipliez par 2 puissance 1 douzième, ça vous donne la fréquence du Do dièse, puis vous multipliez encore par ce nombre-là, ça vous donne la fréquence du Ré, etc. Donc là, si vous voulez transposer un morceau de musique, il suffit de tout multiplier les fréquences par un facteur. Si vous voulez transposer d'un ton, vous multipliez toutes les fréquences par ce nombre-là et vous aurez une mélodie qui ressemble exactement à celle que vous aviez au début, mais un tout petit peu plus haut. Ça semble assez joli et on est content, sauf que non, il y a un problème avec ça. C'est que si vous regardez quelle est la fréquence, quel est le rapport entre la fréquence du sol, par exemple, et la fréquence du do? Avec cette gamme-là. Si vous regardez où est le sol ici, le sol, il est à 1 ton plus 1 plus 1 demi plus 1. Il est à 3 tons et demi du Do, en fait. Hein. 3 tons et demi. 3 tons et demi, ça veut dire 7 demi-tons. Donc, le rapport entre le sol et le Do ici, c'est 2 puissance 7 douzièmes. Le rapport des fréquences dans cette gamme-là. Dernier calcul que je vous demande. Ok, merci. Ça, sol sur do, c'est à peu près égal à 1,5, c'est le 3,5 de tout à l'heure, là, le 3,5 qui est ici, mais pas exactement. C'est-à-dire que on dit que la quinte n'est pas juste dans cette gamme-là. C'est-à-dire que si effectivement vous jouez en même temps un do et un sol à la guitare, il va se passer un truc bizarre. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Imaginons que je joue sur la guitare un Do et un Sol en même temps. Je vais reproduire l'axe ici juste pour pas que ça soit trop confus, mais je vais mettre ici la fréquence 3,5 en jaune. Imaginez que j'ai une corde ici. Alors je vais d'abord prendre le coup de la quinte juste. Imaginez que je joue la fréquence 3,5 de F ici comme fondamentale sur la corde et que je vais tracer aussi sur le même axe les harmoniques que joue cette corde. Les harmoniques de cette note-là, c'est ça, c'est deux fois ça, c'est-à-dire 3 F, trois fois ça, c'est-à-dire 9,5. De F, 4 fois ça, c'est-à-dire 6F, etc. Quand vous faites ça, vous jouez votre Do ici et puis votre Sol, le truc remarquable, c'est que ces fréquences-là sont les mêmes. Les harmoniques ici correspondent, ces harmoniques-là correspondent, et c'est pour ça, selon certaines théories de la musique, que ça sonne joli. Ça sonne joli parce que les harmoniques que ça fait sont les mêmes, sont semblables. Si vous faites la même chose avec non pas ici 3,5 mais le 2 puissance 7 douzième qui est ici, ça ne marche plus. C'est-à-dire que la fréquence qui est ici, la fréquence qui est ici, qui va être deux fois celle-là, ne correspond plus avec la deuxième harmonique du Do. Donc vos notes, elles ne consonnent pas. À l'oreille, ça peut ne pas s'entendre, hein, mais plus on va dans les harmoniques élevées, plus le désaccord va être important, et plus ça peut effectivement être un problème. Ce n'est pas du tout un problème académique. Hein. La question ici, c'est de savoir comment faire un instrument, former un instrument de musique pour qu'il sonne bien. Et il faut avant avoir résolu ces questions-là. Est-ce que ça sonne mieux si on écarte tous les tons de façon homogène, ou si on s'arrange pour que la quinte soit juste, etc.
Donc du coup, si vous regardez l'épisode de Kaamelott qui s'appelle La quinte juste, quand il vous parle des quintes qui ne sont pas justes, etc., c'est de ça dont il parle, sans le dire. Mais vas-y. Question suivante liée à ça. La guitare, on ne veut pas juste jouer à vide, on veut aussi faire des... On veut justement produire différentes notes. Ça, je le laisse pour l'instant au tableau, celui-là. La question que je me pose, c'est, maintenant, on veut jouer différentes notes sur une guitare. Ça se fait, ça, de la manière suivante. Vous avez ici des barres métalliques qui sont incrustées dans le bois du manche. Et quand j'appuie sur au milieu d'une case, la corde prend appui ici sur ce qu'on appelle la frette. Du coup, cette barre métallique, c'est une frette. Et ça diminue. Ce que ça fait, c'est que ça diminue la longueur de la corde. Donc, on obtient une note différente, une fréquence différente, en changeant la longueur de la corde. La question que je me pose ici, c'est où placer, comment placer les frettes pour obtenir certaines notes, des notes données. Ben, c'est assez simple, ça. On a vu tout à l'heure que si je veux avoir une fréquence nu, et le nu 1 vaut, c'est celui-là qui m'intéresse, en fait. Je ne sais pas pourquoi je l'écris en fonction de n. Ce qui m'intéresse, c'est ça. La fréquence du fondamental est donnée par ça. Si je veux faire, par exemple, à partir du do qui est ici, une corde qui est accordée pour que quand je la joue à vide, ça donne un do. Imaginez qu'avec cette corde, je veuille faire un do dièse augmenté d'un demi-ton. Je voudrais du coup passer du do au do dièse. Ça veut dire qu'on passe de nu 1 à 2 puissance 1 douzième fois nu 1. On veut multiplier la fréquence par 2 puissance 1 douzième dans la gamme tempérée. Ça veut dire ça du coup que la longueur, il faut la diviser par 2 puissance 1 douzième, c'est-à-dire la multiplier par 2 puissance moins 1 douzième. Il faut faire passer la longueur de celle-ci à celle-là si on veut que la fréquence passe de là à là. Donc la position de la première frette, elle doit être à 2 puissance moins 1 douzième de L. Les calculateurs, ça donne combien ça? L, ok. Garde sous la main, mais fais-le avec un 7. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. 2 puissance moins 7 douzième fois L. Pardon, vas-y. 0, 66, ok. Donc ça, j'ai mis un 7 ici parce que c'est quand on augmente de 7 demi-tons, ça veut dire qu'on augmente de 2 tons et demi, c'est-à-dire qu'on passe du do au sol. Donc je vais vous montrer ici, juste on va vérifier effectivement sur une des guitares que la frette qui permet de jouer un sol, elle est effectivement située du coup au, ici c'est quasiment 2/3, hein, quasiment 2/3 de la longueur de la corde. Si on voulait accorder la guitare en utilisant la gamme pythagoricienne, on aurait trouvé que le rapport ici entre le sol et le do, c'était 3/2. Donc la longueur de la corde, c'était 2/3 de la longueur initiale, ça aurait été 0,666666. Ce n'est pas comme ça qu'on accorde les instruments, on utilise la gamme tempérée. Et du coup, on va faire l'expérience. Je prends la guitare. Si j'ai une corde qui est accordée en do, le sol il se trouve sur la 7e frette et je vais mesurer la position de la 7e frette. Vas-y. Combien je vais trouver, à votre avis, pour la longueur de la position de la frette ici, si je la mesure à partir d'ici, par exemple, sachant que l'ensemble fait 65 cm. On doit avoir une longueur ici qui fait 2/3, à peu près. Donc ça veut dire que la longueur qui reste là, c'est 1/3. 1/3 de 65, ça fait à peu près, de tête, c'est presque 66, ça fait à peu près 22, un petit peu moins de 22. Vous pouvez mesurer, juste calculer combien ça fait, ça fois 65 cm. Et ensuite diviser par 2 pour avoir le... Ça, c'est les 2/3, donc je veux le tiers de la corde. 21,69. Moi, si je mesure là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e frette, je trouve 21,7. Tu m'as dit combien? Ok. 21,69. Et là, moi, aux erreurs de mesure près, effectivement, on retrouve, effectivement, on comprend pourquoi est-ce que la frette est cette position-là. Donc ici, ça fait à peu près 21,7 cm. Ça, du coup, on peut le faire avec toutes les puissances de n, hein, 1, 2, 3, ça va vous donner toutes les positions des frettes. Et quand on le met sur le diagramme qui est ici, je vais effectivement placer ces frettes. Vous voyez qu'elles sont de plus en plus, serrées.
Alors mon dessin, il n'est pas très beau. Là, je mettrai en... Là, il est même carrément nul. Vous le voyez là? Ok. Donc voilà, j'ai mis ici la position de ces... les positions calculées des 2 puissance moins 1 douzième aux différentes puissances successives. Et ça vous donne la position des frettes ici. Ça correspond... Alors, on pourrait le faire pour toutes, hein, mais vous voyez qu'effectivement, vous avez ici des cases qui sont de plus en plus petites quand on se rapproche de... quand on se rapproche ici des... Donc voilà, là on est content, on comprend effectivement, je vais écrire la formule ici, la longueur pour la n-ième frette, c'est 2 puissance moins n sur 12 fois la longueur initiale, et ça on le trouve expérimentalement, effectivement en mesurant sur la guitare. Remarque, du coup, ça permet ça, l'usage de la gamme tempérée, permet de transposer facilement. Pour transposer, il suffit de multiplier les fréquences, toutes les fréquences d'un morceau par un même coefficient. Et donc, si on regarde en termes de longueur de corde, ça revient à diminuer la longueur de corde, toute d'un même facteur. Instrument multiplicateur de corde par un facteur plus petit que 1. Capodastre. Ça, vous le mettez ici sur la guitare, ça serre toutes les cordes au même endroit, et voilà. Et ça fait comme si la longueur effective des cordes à vide était celle-ci au lieu d'être celle-là. Vu la position des frettes, ça divise effectivement la longueur par un certain nombre constant. Et du coup, ça décale les notes. Ici, ça augmente tout le morceau de 3 demi-tons. J'ai mis ça sur la troisième case. Voilà, l'usage de la gamme tempérée permet de faire ça de manière simple. Pour les gens qui jouent d'un instrument où il n'y a pas de frettes, avec des cordes sans frettes, par exemple le violon, c'est un peu plus subtil parce que c'est là où on met le doigt que effectivement ça détermine la longueur de la corde. Il n'y a pas d'endroit prédéfini, de longueur de corde prédéfinie. Et du coup, les violonistes, ils peuvent jouer de manière plus fine. Et effectivement, il y a certains violonistes qui ne jouent pas exactement les notes de la gamme tempérée, mais vont se rapprocher de la gamme pythagoricienne pour certaines notes, pour que justement ça se rapproche de la consonance dont j'ai parlé tout à l'heure. Approcher le sol du facteur 3,5 plutôt que le 2 puissance moins 7 douzième. C'est des gens qui ont de l'oreille hein, et de la pratique, mais voilà. Alors du coup, puisque j'ai ça sous la main, plutôt vous avez ça sous les yeux, parce que là, mon diagramme tel qu'il est là, il est complètement inutilisable. On va voir dans 5 minutes que quand on pince une corde, en fait, on excite toutes les harmoniques. Donc on a la note fondamentale qui est ici, mais il y a aussi un autre do, il y a aussi un autre sol. Alors je vais le jouer, on va voir si on l'entend. Vous entendez une note là. Je vais maintenant la jouer, cette corde, sans. Là vous voyez que j'ai essayé d'étouffer les autres. Je la joue et je laisse faire. Et je vais l'arrêter cette note là, cette corde là. Vous entendez un petit son résiduel? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que la vibration de cette corde là a mis en mouvement les autres cordes. Certaines d'entre elles ont plus résonné que d'autres. Je fais un do et on va écouter ce qui se passe. C'est léger. Hein. Moi, je l'entends, je fais un petit sifflement. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, une fois que j'ai joué le do, il y a une corde de sol, en fait. Il y a une corde qui joue le sol, c'est celle-là. Donc, je vais étouffer la corde de sol tout de suite après avoir joué le do, voir si ça change quelque chose. Je joue le do. Vous avez entendu quelque chose? J'étouffe. Oui. C'est vraiment elle qui... Je fais pareil avec d'autres cordes. Là, ça ne change rien. J'ai étouffé une autre corde et ça a moins modifié le petit son résiduel. C'est vraiment le sol ici qui vibre. Du coup, tout vibre. Très bien. Il se trouve que si vous regardez maintenant la façon dont ça vibre, regardez maintenant le diagramme qui est ici, vous voyez que si... Je m'arrange pour arrêter la corde, je vais jouer la corde, et je vais arrêter sa vibration, je vais imposer un nœud de vibration avec mon autre doigt à un certain endroit de la corde. Je vais le faire avec celui-là même. Bref, je vais imposer un nœud. Je vais imposer un nœud ici, là, je vais mettre mon doigt au milieu de la corde. Donc je vais empêcher la corde, le milieu de la corde de vibrer. Je vais avoir mis tout en vibration, donc je vais cette grosse vibration, là, le fondamental qui avait envie de vibrer, paf, lui je vais l'arrêter. La deuxième, la première harmonique, là, le 2F1, lui, de toute façon, il vibre, c'était un nœud à cet endroit-là. Donc lui, ça ne va rien changer. Ça va bloquer la troisième, puis laisser passer la quatrième. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer toutes les harmoniques
enfin une sur deux, ça va bloquer le fondamental, cette harmonique-là, celle-là, celle-là. Et donc je vais me retrouver avec, si je mets le doigt au milieu de la... au milieu de la corde, je vais le faire tout de suite, hein, je vais vous montrer. Je réécris ici les notes, je vais du coup éteindre ça, éteindre ça, éteindre ça, éteindre ça. Donc ce que je vais avoir comme son résiduel, ça va être du do, du sol et du do. Ce qui est quand même assez similaire à ça finalement. Do, do, sol, do. Donc je vais me retrouver avec une octave plus haut, un son qui a la même note fondamentale, mais aussi des harmoniques, les premières harmoniques qui sont similaires. Du coup, on devrait obtenir quelque chose qui est juste plus aigu. Donc, de plus aigu, mais d'une octave, quoi. C'est parti. Je vais le faire avec la corde de mi. Est-ce que vous l'entendez ? Corde grave, et j'éteins les harmoniques. Une vers une sur deux, là, je mets mon doigt au milieu. Ça, c'est quelque chose qui est plus aigu. Je peux le faire sur toutes, hein. Ça, c'est donc les harmoniques du milieu du manche. On peut faire ça autrement, toujours sur le diagramme qui est ici. Imaginez maintenant que j'arrête la corde sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e fret. 7e fret, c'est le nœud qui est ici, là. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais laisser inchanger celle-là. Elle va continuer à vibrer parce qu'elle avait un nœud de toute façon. Et je vais arrêter la fondamentale, la première harmonique, et puis les suivantes, là. Donc ce qui va se passer, si je mets mon doigt maintenant sur la 7e fret, là où à vide j'avais do, do, sol, do, mi, sol, si bémol, etc., si bémol, do, je vais arrêter la vibration de ça, 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 ça. Vous pourrez remarquer, je ne sais pas si on le voit ici, je n'ai pas mis la 6e. Mais la 6e, elle, elle a aussi un nœud à cet endroit-là, donc on la laisse. Et du coup, on va se retrouver normalement avec un sol. On va entendre un sol. Je vais jouer la corde de... Alors, du coup, là, je ne peux pas jouer aussi. Je vais faire comme si c'était un sol. C'est là où je vais tricher. Si ça, c'est un do, et que j'ai allumé l'ampli. Si ça, c'est un do, et que je mets mon doigt sur la 7e fret, on doit entendre un sol. Et j'ai mis la 5e, forcément, je recommence. C'est parti, je recommence. Je joue ça. Si ça c'était un do, l'équivalent du sol, ça serait ça. Vous l'entendez les deux notes ? Do, sol, do, sol. En fait c'est autre chose, mais do, sol. Maintenant je vais jouer le do et mettre mon doigt pour bloquer les harmoniques. Est-ce que vous entendez que ça c'est la même chose que les plus aigus ? Ça, c'est la même chose que ça, plus aigu. Donc ici, avec cette harmonique-là, on arrive à faire un sol finalement. De la même façon, juste, je ne vous le montre pas ici, mais si je mets maintenant mon doigt sur la 5e case, on peut montrer que, ça vous le voyez ici, ça bloque la 5e case, ça bloque tout d'autres harmoniques avant, et on retombe sur le do qui est ici. Donc la 5e case, ça refait encore ça refait la note de la fondamentale. Je vais la jouer là. On les joue plutôt comme ça, les harmoniques, ça sonne un peu mieux. Ça, c'est je fais l'harmonique de la 5e case, c'est la même chose que ça, mais très aigu. Corde à vide, harmonique au milieu, harmonique sur la 5e case, harmonique sur la 7e case. Voilà. Ça, du coup, et ça sera un des points finaux de ce que je vais dire de cette partie-là, ça fournit un moyen un peu spectaculaire d'accorder sa guitare. Donc, ce que je viens de vous dire ici, ça c'était à la 12e case, ça c'était à la 7e case. À la 5e case, ça garde le do qui est ici. Et donc vous voyez que si vous jouez, si vous voulez... Alors, je reprends dans l'ordre. Je suis en train de vous parler d'accorder sa guitare. Ce qu'on veut dire accorder sa guitare, c'est donner aux longueurs à vide la bonne tension pour qu'elle joue la note que vous voulez. Et alors, il y a plusieurs manières d'accorder sa guitare. La manière la plus courante, c'est que la corde la plus grave, ça soit un mi. La corde suivante, ça soit un La. Ensuite, Ré, Sol, Si, Mi, peu importe. Je vais juste donner les deux premières. Ça, c'est la très grave et ça, c'est la suivante. Donc, on veut que la première fasse un Mi et la deuxième fasse un La. Accorder, dire que la première vaut un Mi, ça, c'est un truc qui n'est pas forcément évident. Si on a une seule corde pour l'accorder à une note donnée, il faut avoir une bonne oreille, l'oreille absolue ou avoir un accordeur. Mais une fois que vous en avez une, et souvent, vous, ce qui vous intéresse, c'est que toutes les notes aient un accordage cohérent.
Vous n'avez pas forcément besoin que votre mi, ça soit le même que celui du mi du voisin, sauf si vous jouez ensemble. Ça peut là avoir son intérêt. Bon. Du coup, ce qui va m'intéresser ici, c'est comment, une fois qu'on a un mi ici, s'assurer qu'on a un la sur la deuxième. Et là, c'est là où les harmoniques deviennent importantes. Ah oui, mais toi, je peux pas le faire avec la tienne, ce que je vais montrer là, justement. Je veux que cette corde-là et celle-là soient accordées. C'est-à-dire que je veux que ça soit un mi et que ça soit un la. Ce que je vais jouer ici, je vais jouer l'harmonique sur la case 5 du mi qui est ici. C'est-à-dire que ça va me redonner un mi. Et je vais jouer l'harmonique sur la 7e frette du la. Et ça me donne encore un mi, si vous regardez bien. Du coup, je vais le faire. Alors, je ne peux pas le faire avec sa guitare parce qu'après, je vais la désaccorder et lui, je ne peux pas aller régler de manière rigide. Donc, je vais jouer les harmoniques. Ça, c'est censé être la même note que ça. C'est pas le cas. Et vous entendez peut-être pour une raison, il y a quelque chose qui se passe quand je fais ça, elle est désaccordée ici. Vous entendez un wam 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 wam. Je ne sais pas si c'est très très clair. On obtient effectivement un son bizarre, les deux notes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, on entend ce qu'on appelle des battements, et c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Ça, j'en ai plus besoin. Petit 5, battement. Quand on joue deux notes avec des fréquences légèrement différentes, et pour l'instant, je ne vais pas tellement m'occuper des harmoniques, je vais juste supposer qu'on a des fréquences bien définies, des ondes monochromatiques. Imaginez que je superpose, donc je joue en même temps, c'est-à-dire que je superpose, d'une part, un cosinus de oméga, alors je vais mettre les fréquences si vous voulez bien, 2pi fois F1 fois T, ça je vais même l'appeler F, et ça, alors j'ai appelé nu les fréquences, je vais garder les mêmes notations, 2pi fois nu fois T, et je superpose à ça un autre son qui est 2pi nu prime fois T, et ça c'est, je vais l'appeler F de T, c'est le son résultant, voilà. Je superpose ici deux grandeurs. Il y a une certaine amplitude ici, F0, si vous êtes maniaque avec les dimensions physiques. Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la somme ici de deux fréquences légèrement différentes. Quand on fait ça, alors il y a deux manières de le voir, une manière graphique et une manière calculatoire. La manière graphique, c'est la suivante. J'ai ici un cosinus en fonction du temps. Et je superpose à ça une fréquence que je vais supposer assez proche. Quelque chose qui, voilà, assez proche, c'est-à-dire c'est comme ça pour moi. Vous voyez qu'au début, les ondes sont en phase, donc la somme, ça va faire quelque chose de plus grand. Quand plus le temps passe, plus elles se décalent parce qu'elles n'ont pas la même fréquence, et du coup, à un certain moment, elles vont être en opposition de phase, là, ça va faire plutôt zéro, puis elles vont se rattraper l'une l'autre, et ça va de nouveau être en phase. Ça, la somme de ça, on peut montrer du coup que ça donne la courbe suivante. Alors ici, sur mon dessin, les fréquences, elles sont vraiment extrêmement différentes en fait. Hein, donc ça va être difficile à représenter exactement comme ça. Imaginez que je dézoome avec en ajoutant deux fréquences qui sont vraiment extrêmement proches. On trouve que l'onde totale suit une enveloppe comme ça, vibre comme ça à l'intérieur d'une enveloppe. On dit que le son est modulé. Vous voyez ça? Voilà. Vous l'avez vu déjà? Ouais, ok. Bon, bah, du coup, si vous l'avez vu, ça je l'efface et je vais remettre juste le calcul. Cos A plus cos B, ça fait 2 fois cos A plus B sur 2 fois cos A moins B sur 2. Donc, on se retrouve ici avec 2pi fois nu plus nu prime sur 2 fois T fois cosinus de 2pi nu moins nu prime sur 2 fois T. Et du coup, ça, c'est un terme qui vibre à une fréquence élevée. Ça, c'est la fréquence moyenne des deux ondes. Hein. Donc, ça, si vous avez des fréquences qui sont proches, ça, c'est à peu près la fréquence de chacune des deux ondes. Et ça, c'est un terme qui est donné par la différence de fréquence. C'est un delta nu. Ça, c'est cosinus de pi delta nu sur 2. Dans le 2, il simplifie ici, fois t. Et donc, vous avez ici, ça, c'est ce qu'on appelle le terme modulant, du coup. Vous avez une modulation d'une onde qui varie à peu près à la fréquence de celle de départ. Et le tout modulé par ça. Thank you.
la modulation elle est d'autant plus lente que le delta nu ici est petit. Et donc si effectivement vous voulez accorder les deux cordes dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous entendez wan 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 comme ça, ça veut dire que là, ça fait quel delta nul wan 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 que je suis en train de faire là? Wan 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 wan. J'en fais combien par seconde? Wan 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 wan. 4, 5. Bon. Donc ici, on a un delta nul de 4, 5 Hz. Je change, je modifie l'accordage d'une des cordes. Le wan 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 devient wan wan wan. Là, le delta nu devient 1. J'ai plus que 1 Hz de différence entre les deux. Et je m'arrange du coup pour que les battements soient de plus en plus lents, jusqu'à ne plus les entendre. Si les fréquences sont exactement égales, le terme qui est ici est nul, cosinus de 0, ça vaut 1, et on n'a plus que ce terme-là. Il n'y a plus de battements du coup. Donc les battements, c'est un moyen possible, effectivement, d'accorder les guitares. Et on le fait plutôt avec les harmoniques qu'avec les cordes à vide, parce que du coup, les harmoniques, elles ont à peu près chacune la même amplitude. Donc on additionne bien des signaux de même norme. Si on a une harmonique qu'on essaye de faire battre avec une corde à vide, la corde à vide va en général sonner plus fort, donc ça va moins bien marcher. Ok, dernière chose que je vais vous dire ici, et là c'est plus une amorce parce que c'est des choses que vous verrez en TD un jour. Petit 6. Composition en harmonique. Alors je vais considérer le cas d'une corde pincée. Une corde pincée, c'est une corde dont on prend une certaine partie ici, on l'écarte de sa position initiale. On a ici la longueur petite l. Je vais appeler la longueur petite a ici, la distance petite a, la distance à laquelle on prend la corde et on la tire. On la tire d'une certaine distance h, voilà, et on la lâche sans vitesse initiale. Donc voilà la situation expérimentale. C'est effectivement ce qu'on fait avec une guitare, mais aussi avec d'autres instruments. Par exemple, le clavecin, c'est un instrument de ce type-là. Vous avez des petites pinces qui viennent prendre les cordes et qui les tirent. Un contre-exemple, ça serait le piano. Voilà, le piano, c'est pas une corde pincée, c'est une corde sur laquelle on tape. Vous avez des marteaux qui viennent taper sur la corde, donc la condition initiale serait pas celle-ci. Ça, vous le verrez, les cordes frappées, vous les verrez en TD. Hein. Vous verrez notamment les différences entre cordes tapées, cordes frappées, puis cordes pincées. Vous avez aussi des cordes frottées. Hein. Le violon, c'est encore autre chose. Bon. Je m'intéressais ici aux cordes pincées. Et alors, on a vu au tout début de ce cours-là là, que l'amplitude f de x et de t était donnée par grand A, il y avait des facteurs i et tout ça, mais peu importe, je le mets là-dedans, ça c'est un nombre complexe, fois le sinus de n pi x sur l, fois exponentielle de i n oméga t. Et donc ça c'était pour une onde monochromatique, voilà, une onde qui a une fréquence donnée, Et l'onde la plus générale qui peut faire vibrer la corde qui est ici, c'est en fait une superposition d'ondes de ce type-là, avec ici une somme sur n, et le nombre a ici peut dépendre de n. En toute généralité, si an ici est un nombre complexe, ça je peux le séparer en une partie réelle et une partie imaginaire, et ça va s'écrire de la manière suivante. Je vais avoir petit an sinus de n pi x sur l, et puis ça, sa partie réelle avec ça, la partie réelle de an fois ça, ça va être, je vais l'appeler cosinus de n oméga t, voilà. Donc plus précisément, la partie réelle de an fois exponentielle d'in oméga t, c'est petit an fois ça. Et la partie imaginaire, je vais la noter bn, avec sinus de npx de nouveau sur l. Et la partie temporelle, elle, cette fois-ci, est en sinus de n oméga t. Voilà. Et alors, on va avoir une simplification là-dedans, avec la condition initiale qui est là-haut. Je vous ai dit qu'on lâchait la corde sans lui donner de vitesse initiale, c'est-à-dire que à t égale 0, la dérivée temporelle de f doit être nulle, il n'y a pas de vitesse. Et donc, si on regarde là-dedans, je ne vais pas le faire le calcul, hein, vous regarderez en détail, mais la dérivée par rapport à f, la dérivée par rapport au temps de f ici, ça transforme ici le cosinus en un sinus, ça fait sortir un coefficient, ça transforme le sinus en un cosinus. Et si vous regardez à quelles conditions est-ce que l'ensemble est nul, à t égale 0,
Le t égale 0, ça va vous dire que ce terme-là, de toute façon, est nul parce qu'on a sinus de 0. Voilà. Il va vous rester une somme sur bn de termes qui sont ici. J'écris quand même ce résultat-là. Donc, la condition de vitesse nulle, elle vous dit que 0 est égal à somme sur n de bn fois sinus fois n oméga sinus de n pi x sur l fois cosinus de 1, cosinus de 0 qui vaut 1. Donc il y a juste ça. Et ça, ça doit faire 0. Bon, bah ça, ça ne peut être valable en tout x que si chacun des coefficients bn ici est nul. Voilà. Donc l'ensemble des bn qui sont ici sont nuls. Donc du coup, ça simplifie pas mal l'étude puisqu'on va se restreindre à quelque chose qui a simplement cette tête-là. Voilà. Donc là, on a pris en compte la condition initiale étant que la vitesse initiale de la corde est nulle. Voilà. Et ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est trouver les coefficients AN pour que AT égale à 0, la corde, elle ait cette forme-là. C'est-à-dire, AT égale 0, on veut que somme sur N de AN sinus de NPI X sur L, ça ait la forme qui est ici. Je vais noter cette fonction-là, si ça, je le note X. Je vais noter cette fonction-là, f0, par exemple, voilà, f0 de x, et bien on veut que ça fasse f0 de x, c'est-à-dire une fonction linéaire par morceau, ici. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ce problème, une manière très mathématique, puisque si vous regardez bien, on a une fonction f0 ici qui est définie entre 0 et l, on l'exprime comme une somme sur des sinus qui ont des fréquences spatiales de plus en plus élevées, ça s'appelle une série de Fourier, donc ce qu'on est en train de se poser la question, c'est quelle est la décomposition en série de Fourier de cette fonction-là. Ça, on le verra probablement plus tard. Ici, je veux juste vous montrer comment est-ce qu'on peut calculer les coefficients AN. On va pas le faire en détail, mais je vous montre la méthode. Je multiplie tout ce terme-là. Je multiplie chacun des deux côtés par sinus de... multiplier par sinus de pi x sur L. Et je fais pareil ici. Voilà. Et j'intègre ça, le produit qui est ici, je l'intègre entre 0 et L. Je fais pareil ici, dx, et ici dx. Là, je me retrouve avec l'intégrale d'une somme, c'est aussi la somme d'une intégrale, et on va se retrouver là donc avec somme sur n de an, intégrale de sinus de pi x sur L, fois sinus de npx sur L, dx, intégrale entre 0 et L, est égale à, et puis cette intégrale-là qu'il va falloir calculer. Bon. Ça, il se trouve que l'intégrale qui est ici, elle est nulle si n est différent de 1. Si n est différent de 1, vous avez ici quelque chose qui oscille avec une certaine fréquence spatiale, là une autre fréquence spatiale, et on peut montrer, avec même des arguments de symétrie, que du coup, que l'intégrale qui est ici s'annule. La seule valeur de n pour laquelle l'intégrale n'est pas nulle, c'est celle pour laquelle n ici vaut le même que là, c'est-à-dire 1. Donc toute la somme qui est ici, elle vaut simplement A1 fois tout ça, avec n égale 1 ici. Et du coup, le A1, donc le premier coefficient qui est ici, je l'obtiens en calculant cette intégrale-là. Ça, on peut montrer très facilement que ça vaut L sur 2. Pi. On a un produit en 1 sinus carré, en fait. Hein, donc ça vaut la valeur moyenne d'un sinus carré, c'est 1,5. Donc la quantité qui est ici vaut L sur 2, pi. Et du coup, on se retrouve avec A1 est égal à 1, 2 sur L, fois l'intégrale de, qui est ici, 0 à L, F0 de X, sinus de pi X sur L, dx. Voilà, et il suffit de calculer cette intégrale-là, en prenant pour F0 une fonction qui est linéaire par partie, hein, donc ça se calcule vraiment bien, je ne le fais pas ici. On peut faire la même chose pour tous les autres AN, c'est-à-dire si je multiplie maintenant cette quantité-là, non pas par sinus pi x, mais par sinus de 2 pi x sur L, là et là, le seul terme qui ne va pas s'annuler, c'est celui en A2, on aura A2, voilà, etc. Et alors, tout calcul fait, ça, vous allez faire vraiment ce calcul-là en TD, hein. Donc je ne le développe pas, vous le reverrez, on trouve que AN est égal à 2H sur N2 pi 2, 1 sur... A sur L, facteur de 1 moins A sur L, fois sinus de N pi A sur L.
Et du coup, si on remplace dans l'expression qui est ici de f de x et de t, je remplace le an par l'expression qui est là, et ben, je peux comme ça connaître l'évolution temporelle de la forme de la corde. Ben ça, je l'ai fait dans une petite animation. Donc voilà, j'ai mis le an qui est ici là. J'ai choisi pour a le rapport a sur l, par exemple un quart ou un cinquième. J'ai dû faire les deux. Enfin, vous le verrez sur la vidéo. Donc on a ici, ça vous dit qu'on pince la corde à un endroit donné. Voilà. On met ça là-dedans et puis l'évolution temporelle est donnée par l'ensemble des cosinus de n oméga t qui sont ici. Et voilà, on peut tracer avec un logiciel de tracé de courbe la manière dont ça se développe au cours du temps. Donc voilà l'animation là qui vous montre en ce moment comment vibre la corde avec la forme qu'on lui donne au début, comment vibre la corde pincée. On remarque plusieurs choses intéressantes sur les coefficients qui sont ici. Ces coefficients-là, ça s'appelle la composition en harmonique. Ça donne la composition en harmonique du son. Ça vous dit quel poids il faut donner à l'oscillation de pulsation double, à celle de pulsation triple, quadruple, etc. Donc ça vous donne le poids de tous les multiples du fondamental. Et vous voyez plusieurs choses intéressantes. D'une part, ça décroît en 1 sur n carré. Donc ça veut dire que si vous avez le fondamental qui a une certaine amplitude, l'harmonique 1 ici qui correspond à n égale 2 là-dedans, donc c'est diminué d'un facteur 1 quart. L'harmonique 2, la suivante, est diminuée de 1 neuvième. L'harmonique 3 est diminuée de 1 seizième, etc. Ça, vous vous souvenez, c'était un do, ça aussi. Ça, c'était un sol, et ça, c'était un do, si la première note était un do. Donc, vous voyez, ça vous dit que ici le sol, ici, il est quasiment déjà 10 fois plus petit que le do. Donc sa contribution, elle est là, hein, et on l'entend très très bien, ça donne vraiment un son particulier pour la guitare. Pour d'autres instruments de musique, vous aurez d'autres compositions en harmonique. Vous voyez aussi que selon l'endroit où vous pincez la corde, selon A, selon la valeur de A sur L plus précisément, bah, vous aurez des compositions en harmonique qui vont être différentes. Si par exemple ici vous pincez la corde dans son milieu, vous prenez A sur L égale 1/2, ben vous allez vous apercevoir que du coup tous les coefficients pour lesquels n est pair vont être nuls là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait vous ne jouez pas vous jouez un son qui n'aura pas cette harmonique-là, ni celle-là, ni celle d'encore après là-bas. Donc ça va donner ça encore un son particulier à cette vibration. Donc selon l'endroit où on joue la corde, ça donne un son qui peut être légèrement différent. La composition en harmonique, comme ça, c'est ce qui détermine ce qu'on appelle le timbre d'un instrument. Le timbre, c'est la composition en harmonique ici. Il y a un autre point aussi qu'il faudrait considérer ici, je le mentionne simplement pour être complet, mais si bêtement, comme ça, entre guillemets, bêtement, vous prenez un logiciel qui permet de générer des sons, et vous rentrez dans ce logiciel de son, la somme qui est ici f de x, t, et vous rentrez ça avec les an, la formule qu'on a vue là-haut. Vous n'allez pas entendre un son de guitare. Donc ça va ressembler à un son de guitare en écoutant bien, mais en fait, ça, vous allez pas reconnaître la guitare immédiatement, parce que le son de la guitare, il est caractérisé pas seulement par ça, il est aussi caractérisé par le fait que le son décroît au cours du temps, on l'a vu tout à l'heure au tout début du cours. Quand on joue la corde, elle donne une partie de son énergie à la table pour la faire vibrer, donc son énergie décroît. Donc tout ça, déjà, ça décroît au cours du temps. Et le truc remarquable, c'est que les harmoniques ne décroissent pas toutes de la même façon. Donc la composition en harmonique, elle change aussi au cours du temps. Et il y a aussi autre chose de très important dans le son d'une guitare ou dans n'importe quel instrument, c'est comment le son commence, comment il démarre. Ça s'appelle l'attaque. Et là, c'est aussi quelque chose qui doit être décrit de manière assez complexe. Bon. Tout ça pour vous dire que les gens dont le métier, c'est de reproduire de manière synthétique les sons d'instruments, il y a des gens dont c'est le métier, c'est effectivement on peut avoir envie de faire ça, ben, c'est pas du tout une tâche facile. Bon. Donc juste pour le fun, je vais quand même vous faire écouter la somme qui est ici, en prenant par exemple pour A sur L la valeur 1 cinquième, voilà, on joue la corde à 1 cinquième de sa longueur, et voilà ce que ça donne si je mets ça dans par exemple Audacity, qui permet de superposer des sons de manière assez simple. Voilà ce que donnerait le son du Do d'une corde de Do sur une guitare. Alors juste pour comparer, je vais vous remettre le Do de tout à l'heure que j'ai joué effectivement à la guitare pour que vous puissiez comparer. Okay. Et du coup, si vous me donnez juste 3 minutes, je vais juste illustrer quelque chose que nous dit, quelque chose de musical, du coup, que nous dit l'expression qui est ici.
Ça nous dit que la composition en harmonique dépend de l'endroit où vous jouez la corde. Les F qui sont ici dépendent de A. Vous avez certains endroits où jouer la corde qui vont, par exemple, annuler certaines harmoniques et d'autres qui vont les laisser vibrer. Je vais pincer la corde d'une guitare ici à différents endroits simplement et vous allez écouter le son. Vous allez me dire si effectivement vous entendez que ça fait des sons différents ou pas. C'est parti. Je vais partir de là et puis la pincer en remontant le manche. Vous entendez des choses différentes? Pas vraiment? Alors, il faut faire attention là. Par exemple, je vais jouer ici et là. Alors, en faisant attention, ici, on entend vraiment beaucoup d'aigus, là. Il y a beaucoup de harmoniques aigus, là. Hein? Il y a encore le fondamental, hein, mais il y a aussi beaucoup d'aigus. Certains endroits, il y aura aussi du sol, il y aura de la quinte qui vont venir. Tout ça pour vous dire que, du coup, pour les gens qui jouent de la guitare, c'est le métier, jouer de la guitare, c'est pas juste faire ça. C'est aussi, si on veut s'intéresser à la richesse harmonique de ce qu'on est en train de jouer, c'est de où est-ce qu'on la pince, la corde. C'est d'autant plus vrai qu'une guitare électrique, hein. Une guitare électrique, si vous la jouez avec un son saturé, ça rajoute des harmoniques en plus. Et ça veut dire que là, si vous pincez la corde à un endroit où la vibration naturelle introduit beaucoup d'harmoniques, la distorsion, elle va multiplier ces harmoniques, ça peut vite faire un son qui est assez sale. Ce qui peut être ce que vous voulez, hein, mais voilà. Donc si vous faites un son propre, avec un son distordu, il y a certains endroits qui sont plus malins à jouer que d'autres sur une même corde. Donc ça, c'est des choses aussi qui se travaillent. Les gens qui jouent, les musiciens professionnels, ils apprennent ça, ils apprennent aussi à gérer ça. Hein. Comment la pincer ? Dernière chose, on a négligé plein d'effets ici dans l'étude du mouvement de la corde. On a juste considéré que la corde, elle vibrait de façon transversale. Vous pouvez vous amuser aussi à la tordre sur elle-même. Ça, on ne le fait pas forcément exprès, mais si en jouant la corde avec le gras du pouce, vous la tournez légèrement en même temps que vous la mettez en mouvement, et ben quand elle va se relâcher, elle va se mettre à tourner aussi autour de son axe. Ça va jouer sur les vibrations aussi. Ça peut éventuellement rajouter des harmoniques, ça peut changer un peu le son. Vous pouvez envie de l'avoir, de le mettre, ça ou pas, hein, d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui se contrôle. Je vous remercie, c'était un cours difficile pour moi, mais je suis content que vous ayez joué le jeu. De rien du tout, en fait, vous avez été sage, c'est tout, merci. Il n'y a même pas eu besoin de faire du... de ça. Merci d'avoir amené la guitare, du coup. Je peux la garder, hein, c'était ça, le deal, non?